Bonsoir tout le monde, c'est Jérémy Mercier. Ce soir, je suis avec Amy Webster. Salut Amy. Salut Jérémy. Alors ce soir, on va parler du thème, est-ce vraiment utile de faire une détox ou même des détox, hein, parce qu'on peut ne pas s'arrêter à une seule détox. Et on va revenir sur ce que ça veut dire aussi ce terme. Et j'aimerais qu'on commence cette entrevue, Amy, par peut-être une explication de qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la détox. Ça Alors oui, ça t'intéresse c'est toujours. là. C'est toujours des tournants dans la vie, on va dire. Mettons pour essayer de raccourcir une histoire qui pourrait durer longtemps. Quand j'avais 45 ans, il y a bientôt 20 ans, j'étais un peu en, comment dire, un genre de burn-out. Avec 5 enfants à la maison, pas tous les miens, famille recomposée. Je travaillais à mon compte et voilà, je me sentais essoufflée, fatiguée, au bout du rouleau. Et par hasard, je suis tombée sur une annonce d'une retraite crue de détox à laquelle je me suis rendue et qui a vraiment transformé ma vie. Et donc, depuis cette époque-là, je suis devenue une passionnée d'alimentation vivante, mais pas que, et de détox. J'ai apporté un peu ma propre expérience dans ce que j'enseigne, à savoir d'avoir une approche qui soit assez souple et, comment dire, qui ne soit pas restrictive, qui ne soit pas rigide, afin que ça puisse attirer un plus grand nombre de personnes. Et de se rendre compte que en changeant d'alimentation, on va vraiment changer énormément de choses dans sa vie. On est ce qu'on mange, on est ce qu'on digère. Ça, je l'ai vraiment appris par l'expérience. Ça a amené beaucoup d'autres transformations, mais mettons que l'alimentaire a été déjà la première étape. Et donc, j'allais Ouais, juste donc dire. tu as fait cette première détox donc crue, donc ça veut dire alimentation crue, Oui. 100% végétale du coup cette première détox que tu Alors, avais faite. 100% végétal et même plus loin, c'était, et tu connais bien, c'était selon les principes de l'Institut Hippocrate de Floride. Donc, à savoir, c'était que du vert, pratiquement que du vert. Des jus verts, du jus de céleri, du jus d'herbe de blé. Oui, Il y particulier avait ça. zéro fruits, il y avait zéro matière Particulier ça. sucrée, des graines germées, des salades. Donc, c'était assez strict. Pour quelqu'un qui vient d'un régime, on va dire, relativement classique, c'était assez D'accord. costaud. Oui, Ouais, d'accord. tout à Okay. fait. Ouais. Ouais, bah, effectivement, donc moi je suis passé par l'Institut Hippocrate où je me suis formé en 2013. Et effectivement, c'est assez pas difficile parce que quand on est sur place, ben, tout est préparé. Donc, bon, ben, il n'y a qu'à se servir, j'ai envie de dire. Mais n'empêche que ça fait pas mal d'effets sur le corps. Enfin, moi, j'étais déjà préparé parce que j'étais déjà végétarien depuis quelques années. J'étais même devenu plus ou moins vegan à ce moment-là. Je commençais à manger des graines germées, etc. Mais pour des gens, effectivement, qui venaient d'une alimentation normale, il y avait des effets assez surprenants. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as eu comme bénéfice quand tu as fait cette première détox pour toi? Et ce qui t'a amené ensuite à vouloir partager ça avec d'autres personnes qui seraient intéressées par cette démarche. Oui, c'était des bénéfices assez marquants. Je cherchais en fait plus d'énergie, surtout. Je cherchais à ne pas me sentir épuisée. Et au bout d'une semaine, j'ai perdu du poids, j'ai commencé à avoir une peau beaucoup plus lisse, à avoir plus d'énergie, à mieux dormir. Et ce n'est pas que ça, ce n'est pas qu'au niveau physique, c'est aussi au niveau mental, une plus grande clarté d'esprit. J'avais une créativité inhabituelle qui commençait à m'habiter, avec plein d'idées, envie de faire des choses, un certain élan pour se lancer dans des projets, ce que je n'avais pas avant. Et donc, une énorme liberté de vie, j'ai envie de dire, pour essayer de réduire tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau alimentaire, c'était surtout, ça allégeait ma digestion. J'avais une tendance à avoir un transit, un métabolisme assez lent. Et le fait d'avoir consommé des jus et que des crudités pratiquement pendant une semaine, ça a donné un coup de fouet à mon métabolisme. C'était incroyable. Je ne connaissais pas cet état d'être. Donc, pour moi, ça a été une véritable découverte. Ouais. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que quand on a lancé la détox, alors tu vas peut-être en parler un peu plus en détail, mais moi, le souvenir que j'ai eu d'avoir été avec des gens qui vivaient cette détox réellement, ça peut passer par un inconfort au début. Pas tout le monde, hein, mais ça peut arriver à certaines personnes, notamment les personnes qui ont un côté addict au sucre ou qui sont habituées à avoir un ou plusieurs cafés tous les jours et qui n'arrivent pas à démarrer sans café en général. Ça peut passer par des maux de tête qui peuvent durer en général 24-48 heures. Donc on leur dit, ben voilà, ça va passer, vous inquiétez pas, mais ça peut être surprenant. Ou alors pour d'autres gens, il peut y avoir parfois des sensations de nausée ou peut-être un peu le tournis, des choses un peu inconfortables, mais en général, c'est assez court. Et après, par contre, là, c'est wow,
tout d'un coup, on se sent bien, le corps est plus léger, la peau, il y a quelque chose de plus beau, ça brille. Enfin, l'état d'esprit est beaucoup plus clair, l'énergie revient effectivement. Et comment ça se passe dans les détox que toi, tu organises? Tu observes aussi ces phénomènes un peu d'élimination, pas forcément toujours très agréable. Combien de temps ça dure et comment tu accompagnes ça? J'ai envie de dire, le premier et le deuxième jour, ça va. C'est en général, alors le troisième ou le quatrième jour, ça va dépendre des gens. Parce que j'ai aussi l'expérience non seulement d'animer des détox en ligne, mais aussi d'animer des détox en présentiel, où c'est tout cru, là, ce qui n'est pas forcément le cas des détox en ligne. Je donne pas mal de souplesse. Typiquement, le troisième, quatrième jour, il y a un petit blocage. Les personnes qui ont un métabolisme très lent, ça peut se bloquer avant de se libérer. Il y en a d'autres qui, tout de suite, le métabolisme va être accéléré, donc le transit, là, en l'occurrence. Le sommeil ne va pas être très réparateur, en tout cas pas dans un premier temps, parce que le corps a besoin de s'adapter à cette nouvelle alimentation ou à ces changements. Donc, ça va dépendre des personnes. Et alors, tu l'as cité, le problème du café. Alors, moi, je recommande toujours aux personnes d'essayer de lâcher le café en prenant le temps qu'il faut, même en s'accordant une semaine, en diminuant les quantités jusqu'à n'en avoir plus du tout, pour éviter d'avoir ces maux de tête qui sont assez intenses et qui peuvent durer 2-3 jours. C'est une histoire de vasoconstriction, vasodilatation que le café fait. Et quand on l'a plus, on n'a plus... C'est pour ça que c'est assez addictif, d'ailleurs, parce que ça produit un certain état auquel on devient addictif. Et voilà, donc oui, je dirais vers le deuxième ou troisième jour. Et puis après, ça passe, il y a vraiment un cap. Il y a des personnes qui n'ont aucun inconfort. Petit à petit, les choses ne font que s'améliorer. Moi, j'ai eu la chance qu'effectivement, c'était un petit peu ce cas-là, ce que moi, j'ai vécu par contre, parce que je pensais me nourrir très, très bien. Je mangeais déjà beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, mais j'avais l'habitude, je ne me rendais pas compte, d'avoir des glucides à chaque repas. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre toute la problématique du sucre. Quand on dit sucre, les gens, ils entendent, ils comprennent des desserts, des biscuits, des gâteaux, des pâtisseries. Alors oui, certes, ça, c'est du sucre. Mais tout ce qui est glucides, et moi j'avais l'habitude de manger un peu de pain ou un peu de pâte ou du riz, enfin il y avait toujours ces fameux glucides à chaque repas, ce qui entretient une certaine glycémie. Et donc moi, au bout du troisième, quatrième jour, j'étais en pleine forme les premiers jours, et au quatrième jour j'ai eu une hypoglycémie qui m'a donné des maux de tête, des palpitations, et là tout de suite on m'a dit bon, prenez un jus d'orange et ça a tout réglé. Donc c'était intéressant de faire l'expérience de qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on n'a pas ces addictions cachées, en fait, qui font partie de l'alimentation moderne. Parce que l'idée quand tu animes les détox, c'est à la fois ce côté manger plus léger, plus sain, qui va permettre au corps de faire un travail de nettoyage, mais également peut-être de mettre en place de nouvelles habitudes aussi alimentaires, c'est ça? Absolument. Alors, c'est vraiment des prises de conscience. Le fait de se dire « Ok, je vais me lancer dans une détox », ça veut dire, grosso modo, les gens pensent c'est un régime. Alors oui, on va diminuer la quantité, mais on va vraiment augmenter la qualité de ce qu'on mange. Parce que quand on boit un jus vert, c'est rempli de minéraux. Petit à petit, le corps s'habitue et se rend compte qu'il n'a pas tellement faim, puisqu'il a été nourri au niveau cellulaire. Si on lui apporte vraiment des nutriments qui sont disponibles, qui sont faciles à assimiler. Donc, il y a cet aspect-là. Et ce que je trouve très important dans une détox, c'est qu'on va faire une descente alimentaire, on va nourrir le corps d'une manière beaucoup plus profonde et efficace, et après, on va faire faire une remontée alimentaire, réintroduire les aliments qu'on a l'habitude de manger, et là, il y a une grande prise de conscience. Je dirais la troisième semaine est aussi importante que la première et la deuxième. Ces trois étapes de descente, de détox et de remontée alimentaire sont indispensables. Et ça permet de prendre conscience des effets qu'ont certains aliments. Alors, on va citer en particulier le gluten ou les produits laitiers qui ont une tendance inflammatoire et dont des personnes, beaucoup de gens vont dire « Ah, moi, j'ai aucun problème avec le gluten. J'en mange tout le temps et tout va bien. Mais j'ai un transit qui est lent ou au contraire très rapide. Je ne dors pas bien, j'ai des gonflements. Il peut se passer des tas de choses. » Et la conscience n'est pas là tant qu'on ne l'a pas éliminée pendant un moment. Et on recommence. Et là, on va voir ce qui se passe. Et c'est là que c'est très, très important. Donc oui, prise de conscience alimentaire, à savoir aussi des intolérances ou des sensibilités auxquelles on n'était pas trop conscient. Et moi, j'irais rajouter aussi les autres éléments parce que ce n'est pas que alimentaire. Ah oui, c'est ça. Quand tu dis que ce n'est pas que alimentaire, vas-y, oui, c'est ça. La détox, c'est, en anglais, on dit « a whole person journey ». Ça veut dire que c'est un chemin de la personne tout entière.
L'alimentation, ça va être sans doute le domaine où on peut agir le plus facilement ou en premier lieu. C'est une focalisation qu'on entend bien dans notre société aujourd'hui. Hein. Il faut changer notre manière de manger. Alors, tout le monde sait tout ça, mais il y en a un peu qui passent à l'acte, en fait, qui font vraiment un profond changement. Et il n'y a pas que ça, parce qu'il faut bouger le corps. Il faut apprendre à profiter de bouger son corps, s'oxygéner, sortir dans la nature, retrouver ce calme quand on s'entoure de la nature. Ou bien un peu de yoga, un peu de gymnastique, un peu de pilates, peu importe ce que c'est, mais trouver des habitudes qu'on peut pratiquer de manière très, très régulière. J'essaie de faire passer le message que mieux vaut faire 10 ou 15 minutes de mouvement tous les jours qu'une heure par semaine. Mieux vaut faire une demi-heure tous les jours. Alors, une heure tous les jours, ce sera encore mieux, mais on n'a pas tous le temps de faire ça. Donc, le fait de bouger dans son corps, comment on se sent dans son corps physique. Et la deuxième chose aussi, c'est d'être à l'écoute de ses émotions. C'est très, très la troisième chose. Donc, l'alimentation, le mouvement dans son corps, prendre conscience de ses émotions, parce que très souvent, on mange pour calmer nos émotions. C'est dès lors qu'on prend conscience du fait qu'on est, dans un état de... On se sent seul, on se sent triste, on est en colère. Quand on commence à prendre conscience de ses émotions, alors on se rend compte que nos gestes sont souvent liés à ces émotions. Et c'est cette prise de conscience qui va créer le changement. Et l'autre aspect qui est aussi important, bah, c'est le sommeil, le stress, j'ai envie de dire aussi. Comment gérer son stress, qui peut d'ailleurs venir des émotions, qui peut venir du fait de faire un changement alimentaire. Comment pouvoir éliminer ce stress, enfin, en prendre conscience à nouveau et trouver une manière de l'évacuer. Ok. Et donc, toi, quand tu fais des détox, habituellement, c'est sur cette durée de 3 semaines, donc avec descente, un moment où on va garder ce régime alimentaire, on va dire, pur ou sain, entre guillemets, et après remonter vers une alimentation plus normale, quotidienne, mais améliorée, tant qu'à faire. Absolument, oui. C'est important. La première semaine, elle est dédiée aussi au fait de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une toxine, pourquoi on a des toxines, à quoi sert le fait de détoxifier, quels sont les effets, qu'est-ce qui peut se passer, quelles sont les réactions de la détox. Enfin, j'explique tout ça dans la première semaine et je présente aussi les 3 formules. Donc, il y a une formule que j'appelle easy et ça peut être cuit. On peut manger du riz, on peut manger de la quinoa, du quinoa. On peut, si des personnes veulent garder quelques petites protéines animales, c'est aussi possible, même si je ne le recommande pas. Je préfère aller vers le tout végétal. Mais il y a toujours le moyen de faire des adaptations selon les personnes et leurs habitudes pour que ce ne soit pas trop sévère comme changement. Parce qu'un changement sévère ne va pas être bien vécu et ne va pas laisser un bon souvenir. Ah, et pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est de vivre ça dans la joie, dans la sérénité et de découvrir le bonheur que c'est de manger des choses qui nous nourrissent mais qui en plus sont délicieuses. On travaille sur les textures, sur les couleurs. Vraiment, on cherche le plaisir. Ce n'est pas une punition, bien au contraire. C'est un chemin de découverte de soi. Donc, cette première semaine, elle sert à choisir sa formule, à commencer à établir, OK, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Parce que c'est très important de s'organiser à l'avance. Je trouve qu'on ne se lance pas dans une détox du jour au lendemain. Il faut que le mental se prépare. Il faut qu'on ait dans la cuisine les ingrédients qu'il nous faut, peut-être les appareils qu'il faut, selon les choix qu'on a faits. Donc, toute cette semaine, la première semaine, elle est très, très importante, en tout cas pour les personnes qui le font pour la première fois. Alors, je vais préciser quand même que la moitié des personnes qui viennent faire les détox sont des personnes qui l'ont déjà faite. Et qui reviennent parce que justement, elles veulent continuer à être inspirées parce que chaque détox est différente. Ça va dépendre du groupe. Ça va dépendre de ce que moi, je propose parce que je suis toujours très, très présente et je propose ce que moi, je vis dans le moment même, dans ma détox. Et avec les périodes de vie, ça peut complètement changer. Donc, c'est toujours très, très intéressant. Ouais, c'est-à-dire que la semaine de détox… Pendant les détox, toi, tu l'as fait aussi. Tu n'es pas juste à dire, voilà ce qu'il faut faire. Moi, pendant ce temps, je me bouffe mes croissants et je ne sais pas quoi. Ah non, surtout pas. C'est très difficile d'inspirer les personnes qui suivent une détox si on ne la fait pas soi-même. Donc, moi, chaque fois, pour moi, c'est l'occasion. C'est pour ça que je la fais au printemps et en automne. Ce sont les saisons clés, des saisons charnières, où il y a des grands changements de météo, de climat. Et la médecine chinoise le dit aussi très, très clairement. On a nos organes. Certains organes sont les organes du printemps, dont le foie et les intestins, justement. Les organes de l'hiver, c'est plutôt les poumons, la rate, je crois. Donc, il y a des choses à faire à ces périodes charnières. Et le fait de changer son alimentation, enfin, de la purifier, de la simplifier, de la rendre plus légère, plus digeste, va beaucoup aider les organes à se remettre en état, parce que c'est un peu ça. C'est un grand nettoyage du printemps. On le fait avec sa voiture. Et pourquoi on ne le ferait pas avec son corps d'une manière aussi régulière, aussi systématique? Oui, puis il y a pas mal de religions, même là, c'était Carême récemment pour les chrétiens, il y a Ramadan en ce moment, enfin, il y a Ramadan, un peu les moments de nettoyage classiques, on va dire.
Ouais. Et donc, oui. la prochaine détox commence quand, du coup la prochaine, elle commence ce samedi, le 6 avril. Alors, ouais. On est un peu décalé cette année en raison des fêtes de Pâques. Pâques est arrivé très, très tôt. Et en général, la détox de printemps a lieu avant Pâques, ce qui est très pratique. Hein. On s'est bien nettoyé avant de se permettre de manger du chocolat. Bon, bah, cette année, il y a là quand même l'avantage qu'on le fait après Pâques. Donc, ça va aider beaucoup de monde aussi. Oui, après tout le chocolat qui a été absorbé peut-être en excès, justement, c'est le moment de faire ce petit nettoyage. J'ai mis le lien pour ceux qui sont intéressés par cet accompagnement que tu vas faire. Donc, à partir du samedi 6, c'est ça, 6, hein, 6 avril. Hein. 6, ouais, c'est ça. Samedi prochain, le 6 avril. Voilà. Et ça dure jusqu'au 26 avril, sachant que la semaine de détox, à proprement parler, a lieu du 13 au 20. Voilà, ok. Oui, c'est ça, oui, parce qu'il y a la descente et donc ça veut dire aussi que éventuellement les gens qui pourraient arriver un peu en retard, c'est pas très grave, ils peuvent toujours se rejoindre au truc tout à fait pour la descente, c'est ça. C'est organisé pour qu'il n'y ait pas trop à faire tous les jours, c'est pour ça que je compte une semaine de préparation. Les personnes qui arrivent en retard 2, 3, 4 jours plus tard peuvent aussi jump in the wagon, d'accord, et sauter dans le train en cours, prendre le train en marche. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faudrait arrêter de travailler ou prendre des congés, ou on peut continuer à avoir sa vie, entre guillemets, normale, simplement, juste modifier son alimentation? On peut tout à fait. Alors, tous les cas de figure sont possibles. La plupart des gens n'arrêtent pas de travailler, bien au contraire. Et ça va demander un tout petit peu plus d'attention à soi. Alors, moi, je recommande aux personnes de dire, en tout cas, la semaine où vous faites la détox, évitez les sorties, évitez les invitations. Ouais. Ça, c'est quand même préférable. Mais il y a eu des cas où des gens sont venus en disant, bah voilà, il y a un mariage, on peut pas faire autrement. Et là, je leur dis, mais c'est pas grave. L'intention est importante. Il y a plein de stratégies à mettre en place pour éviter de trop s'écarter de la détox. Ça, je l'explique. Il y a aussi la possibilité de se dire, bon, bah, je peux quand même aller en mariage ou à un anniversaire ou à un événement particulier en buvant mes jus. Moi, je l'ai fait plus d'une fois. C'est super intéressant d'ailleurs. Et c'est un bon défi à relever. Et puis, et des messages à faire passer. Peut-être pas dans un mariage, parce qu'un mariage, c'est un peu particulier. Mais on a invité des amis. OK, on va maintenir l'invitation. Mais moi, par exemple, bah, je vais faire une grande salade. Je vais boire un jus avant. Je vous propose un jus en apéritif. Et puis, je vous ai préparé d'autres choses à côté. Ça m'est arrivé plus d'une fois de le faire. Et sinon, de simplement décaler. Alors, moi, je propose un certain format, mais les personnes peuvent venir suivre les 3 semaines et finalement faire leur détox un peu plus tard. Elles auront toutes les ressources à disposition et aussi toutes les discussions qui aura eu lieu, des partages, pour les inspirer, pour les soutenir. OK. Et donc tu pourrais te ramener au mariage. Les autres vont trinquer avec leur verre de champagne et toi, tu auras ton verre de jus frais. C'est possible? Ça, ou de kimchi, de kéfir ou de kombucha. Hein. Moi, ça m'arrive d'aller à des événements avec une bouteille de boisson pétillante et colorée qu'on pourrait méprendre pour du champagne. Mais après, il y a que des fines traces d'alcool dedans. Et moi, j'ai tout autant de plaisir à boire ça. Ah bah c'est vrai, c'est vrai qu'un kéfir, un kombucha, ça peut vraiment ressembler très fortement à du champagne. Ah oui, ça passe très bien. Surtout à la framboise, ça fait un... Oui, non, c'est... J'ai plein d'astuces comme ça, de comment faire justement dans des cas de ce type. Mais l'idéal, c'est déjà d'avoir aucun autre engagement. Les mères de famille peuvent engager leur époux, le papa, en disant « Écoute, cette semaine, c'est toi qui fais à manger ou faire à manger à l'avance. » Parce que c'est vrai que ça peut devenir un peu plus contraignant. Pas tant parce qu'on fait à manger d'autres choses que ce qu'on va manger soi, bien que ça puisse être un problème. Mais surtout parce que moi, j'encourage les personnes à prendre du temps pour elles, pour être vraiment à l'écoute. Et donc, d'essayer de se décharger sur d'autres personnes. Une semaine dans l'année, c'est quand même pas si compliqué. Une semaine, on fait la détox. Et ça fait peut-être partie aussi de cette énergie dans laquelle on veut être, de donner du temps et du repos au corps. Donc, c'est pas forcément facile de dire, bon, on arrête tout pendant 3 semaines, évidemment, mais au moins avoir ce côté où l'alimentation va venir donner moins de travail au corps et en même temps, bon, on va être moins occupé à préparer pour les autres, au moins ne serait-ce que l'alimentation pendant cette semaine particulière au milieu de la détox, voilà. Mais c'est vrai que c'est un ensemble, c'est une énergie globale. Et est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport au détox que tu organises? Est-ce qu'il y a des cas où tu pourrais dire là, c'est pas une bonne idée pour tel type de personne de faire la détox? Alors déjà, a priori, on va dire les enfants en bas âge, les enfants en pleine croissance, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, parce que c'est clair que ça relance en fait la détoxification, va remettre en circulation des anciennes toxines
qui sont accumulées dans, dans le corps, dans différents organes. Le gras abdominal aussi peut stocker, tu le sais bien, avec le nettoyage du foie, peut stocker aussi, pas que du gras, mais des déchets, des toxines. Donc, ces toxines vont être remises en circulation et être éliminées par les voies d'élimination, mais elles vont être remises en circulation et donc ce n'est pas une bonne chose pour une femme enceinte ou une femme allaitante. Hein, ça. Il peut y avoir des toxines supplémentaires qui vont se retrouver dans le lait, donc ce n'est pas du tout recommandé. Et je dirais peut-être des personnes avec des maladies graves ou des personnes en convalescence, bien que, mais bon, ce n'est pas mon rôle de le dire, je n'ai pas cette crédibilité médicale du tout et je n'y prétendrai pas, mieux vaut consulter son médecin. Bien que, voilà, les détox vont vraiment aider le corps à se soigner. Parce que finalement, c'est pas les thérapies, c'est pas les médicaments qui soignent, c'est le corps. Le corps a cette sagesse, cette intelligence innée de réparer, d'aller nettoyer, d'éliminer. Si on lui en donne les moyens, il va le faire. Et donc, il y a beaucoup de maladies chroniques qui vont être grandement aidées par la détox. Mais je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Et comme il y a beaucoup de souplesse dans le programme, on peut y aller très doucement pour une première fois. D'ailleurs, je pense que c'est la bonne approche. Et les gens qui reviennent, eh bien, au bout de 2, 3, 4 fois, vont se mettre à faire une semaine de jus et vont sentir des bienfaits incroyables à faire ça. D'accord. Et c'est quoi les bénéfices que tu vois couramment et qu'on peut attendre du coup en rejoignant cette détox? Alors, il y en a énormément. Je vais citer le premier qui est celui le plus marquant pour moi, qui est le regain d'énergie. L'énergie. Difficile à mesurer, mais on sent. Les personnes qui ont l'habitude de se réveiller en étant déjà fatiguées avant que la journée ait commencé vont vite remarquer une différence et vont dire « Ouh là là, mais quelle énergie !» Alors ça, c'est une chose, l'énergie. La régulation du poids. Je préfère dire ça comme ça que perte de poids, parce que même si pour beaucoup de monde, la perte de poids va être désirée et désirable, ça peut être aussi une prise de poids parce que les problèmes d'assimilation sont souvent à la source de personnes qui justement n'arrivent pas à prendre du poids et une détox va aider à ça aussi. Donc, régulation du poids, tous les problèmes de peau, alors évidemment, le pot qui est un des organes d'élimination est le plus grand, le plus vaste et le plus visible. Souvent, les problèmes de peau sont liés à des déchets, à des toxines accumulées. Et donc, quand on fait une détox, on a vraiment des effets sur la peau. Le sommeil aussi, va devenir... Peut-être que ça peut passer par un empirement temporaire aussi. Oui, absolument, ça peut passer par un empirement. D'ailleurs, parmi les réactions de la détox qui sont assez typiques, il peut y avoir comme des symptômes de rhume. Le nez qui se met à couler, le nez est un peu bouché, on a un peu mal à la gorge. Et tout ça, c'est assez typique parce qu'il y a des tas de choses qui recirculent, dont des toxines et qui vont rendre le métabolisme un peu… Il doit travailler dur et puis il y a certains vieux symptômes qui ont peut-être été, un peu maquillés ou le corps est très capable d'aller mettre des choses de côté parce qu'il a d'autres urgences. Et dès lors où on va détoxifier parce qu'on apporte une alimentation tellement légère que le corps, il va économiser de l'énergie et il va utiliser cette énergie pour aller réparer des tas de problèmes qui sont peut-être là depuis très longtemps. Et donc, ça peut donner des symptômes de toutes sortes de choses. Moi, j'ai eu parmi mes participants des personnes qui, au bout du troisième jour, une grosse douleur dans le genou. Ça fait un peu penser à ce qu'on vit avec le nettoyage du foie, d'ailleurs. Mais soudain, des douleurs dans les jambes, dans les genoux, dans les épaules. Une douleur qu'ils ont déjà vécue et qui revient, mais en force, avant de disparaître. C'est assez typique des réactions de la détox. Ouais. C'est marrant que le corps ait cette sagesse et il a cette mémoire aussi de choses parfois anciennes qui n'ont pas forcément été complètement résolues. Et hop, quand on vient faire un travail de nettoyage par l'alimentation, donc la détox comme tu proposes, ça peut, hop, ça revient, on ressent et c'est… Voilà, au revoir. Merci, c'est bon. Exactement, c'est une manière d'évacuer non seulement les toxines, mais les douleurs, les vieilles maladies, les problèmes chroniques et aussi les émotions. Alors, j'ai aussi eu des personnes qui ont vécu des moments émotionnels assez forts, pas très agréables, mais pas, qui n'ont pas duré longtemps. Dont une personne qui parlait de… Elle s'est réveillée un matin et elle a senti une colère pour un membre de sa famille. Et ça a duré toute la journée. Puis, c'était quelqu'un avec qui elle était en froid depuis très longtemps. Et donc, certainement que cette colère, elle l'avait étouffée. Et voilà qu'en faisant la détox, cette colère, elle ressort. Et que cette colère, après même, a peut-être même créé des douleurs dans le corps. Cette colère est ressortie. Et à la fin de la journée, elle a recontacté cette personne qu'elle avait refusé de voir depuis des années. Je trouve que c'est fascinant. Pourquoi ? Parce que la colère, elle s'est évacuée.
pas que par elle-même. Il y a vraiment cette prise de conscience qui est importante. Ouais, super. Ouais, non, c'est vraiment du coup un travail qui paraît entre guillemets banal parce que c'est juste une histoire de choix alimentaire pendant un certain temps. Alors, avec éventuellement un peu plus de repos que d'habitude aussi, si c'est possible, mais ça va agir à plein de niveaux et pas que au niveau physique. C'est ça qui est aussi intéressant avec ce processus. C'est fascinant. C'est la raison même de ma passion pour ça. C'est devenu pour moi un rituel. Moi, je parle de rituel de détox. Il y en a de tous les genres. Hein. Il y a des rituels ayurvédiques hein, pour nettoyer les fosses nasales, nettoyer la langue, la bouche, enfin le massage du corps. Il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser même de manière régulière. Mais il y a ce rendez-vous avec soi-même pour se dire « Ok, là, je fais une détox. » Et ça, je trouve ça vraiment précieux. Ce n'est pas une mode, c'est une hygiène de vie. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça aussi qui est important. Parce que c'est vrai que ce mot détox est utilisé dans tous les magazines féminins, on va dire, avec des messages parfois un peu contradictoires ou ésotériques ou pas basés sur grand-chose, disons. Mais là, toi, c'est vraiment une habitude que tu as mise en place depuis des années. Je ne sais pas à quand remonte la première détox que tu as organisée toi. Ça remonte à quand ? Alors, ça fait 10 ans. Ça, j'avais fait quelques années après mon expérience. J'ai embarqué des amis qui étaient juste... Elles étaient impressionnées par ma transformation. Des proches ont vu en une année combien je me suis transformée. D'accord. La perte de poids, l'élan, la créativité. Et donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai envie d'avoir ce que tu as. » Et donc, je les ai emmenées, on a fait une détox entre copines. Mais ce programme Easy Detox existe depuis 10 ans. La première fois que je l'ai créé, c'était en 2014. Et alors, c'était très basé sur l'aspect alimentaire, les formules, les listes de courses, etc. Et avec les 5 premières années jusqu'en 2019, j'ai rajouté énormément d'informations et d'éléments à la détox. Et aujourd'hui, j'ai cessé de rajouter des choses parce qu'il y a déjà beaucoup. Je ne veux pas non plus décourager les personnes qui y participent. Mais mettons qu'il y a une grande bibliothèque d'informations sur la santé. Des interviews que j'ai faites de naturopathes, de profs de yoga, de profs de qigong. Enfin, il y a toutes sortes de disciplines qui sont un peu présentées pour soutenir la pleine santé. Mais si on fait une détox pour la première fois, on n'a pas besoin d'aller se plonger dans cette bibliothèque. On suit juste les conseils de chaque jour et on essaie de faire une détox. Et ça, c'est le but principal. Ok, donc ta prochaine détox donc commence le samedi 6 avril. J'ai mis le lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Donc bit.ly/detoxamy avec un D majuscule et un A majuscule. Je vais le remettre dans les commentaires. Et donc il y a aussi autre chose, il y a une réduction pour les personnes qui rejoignent là en rentrant le code de réduction détox pour le coup. Et donc c'est une réduction de 10 francs suisses sur les parce que oui, en Suisse, on a les francs, hein, c'est pas les euros, il y a encore des francs. et donc, il y a une réduction de 10 francs suisses sur le programme que vous choisirez en rentrant le code détox. Et donc la question que je voulais poser aussi, c'est ce genre de détox, toi, donc tu conseilles de pratiquer ça quoi, une fois par an, deux fois par an, donc printemps, automne, ou même plus, c'est quoi, comment tu, idéalement, ça serait quoi? Alors ça, c'est vraiment une décision personnelle. En tout cas, j'encourage les gens à faire une détox, à commencer une première fois. Et je pense que dès lors qu'on l'a vécu et qu'on l'a bien vécu et que c'est un bon souvenir, on se dit « chouette, je vais recommencer quand j'en aurai besoin ». Et c'est pour ça qu'avec les années, j'ai créé cette détox saisonnière, la même qui s'appelle Easy Detox, qui a lieu au printemps et en automne. On ne se rend pas compte, mais en automne, en fait, à la suite des vacances d'été, souvent les parents ont passé beaucoup de temps avec les enfants, on est allé à la plage et tout, puis pas que les parents, hein. Je veux dire, il y a l'aspect, les enfants sont en vacances scolaires, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on se lâche, c'est l'été et c'est bien, ça fait partie des plaisirs de la vie. On se lâche, on boit plus d'alcool, on mange un peu plus, on prend des desserts parce qu'on est à l'hôtel, etc. Et quand on rentre et qu'il y a la rentrée scolaire ou on retourne au travail, souvent en septembre, on est de nouveau épuisé. Et en plus, c'est cette période charnière, il faut se préparer à la saison froide. La saison virale, etc. Donc, mieux vaut refaire un nettoyage et préparer le corps à vivre l'hiver d'une manière beaucoup plus sereine. Donc, c'est pour ça, ces deux périodes charnières, je pense que c'est les plus importantes. Si quelqu'un veut faire une seule détox, alors le printemps, c'est vraiment le moment idéal. Si on a envie d'en faire deux fois, alors printemps, automne, c'est parfait. Et cette année, j'ai rajouté une autre formule qui est la détox d'hiver. Pourquoi j'ai créé une autre formule? Parce que, selon moi, d'après mon expérience et aussi l'expérience des gens que j'accompagne, mais pas que, c'est aussi ce qui est recommandé dans la médecine chinoise, en Ayurveda. Quand on est en pleine période très froide, ce n'est pas toujours une bonne idée de réduire son apport calorique. Et
on n'a pas toujours vraiment envie non plus de se mettre à boire des jus en plein mois de janvier quand il y a de la neige dehors. C'est sûr. Mais c'est vrai, par contre, qu'au mois de janvier, après les fêtes de Noël, ouf, on sent que le foie, il a souffert, on sent que le moment est venu de s'alléger. Et donc, j'ai conçu un programme qui est facile à suivre, mais avec des bons petits déjeuners, pour la plupart crus, avec des aliments vraiment très régénérants. Des grosses salades, mais vraiment des bonnes salades avec beaucoup d'ingrédients. Et le soir, des soupes. Et ça, on n'a pas faim, on n'a vraiment strictement pas faim. Alors, je veux dire, au printemps, on n'a pas faim non plus, mais mettons que c'est plus léger comme détox. Donc, selon la période de l'année, on peut faire des détox d'une journée, de 3 jours, d'une semaine. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre, ça ne peut faire que du bien. Donc, mais là, j'aimerais vraiment que les personnes découvrent les bienfaits de faire une vraie semaine qui est bien organisée, bien suivie dans les règles de l'art. C'est ça, avec la bonne descente, la bonne semaine détox, voilà. La bonne remontée et le soutien que tu proposes tous les jours. Parce que tous les jours, il y a quoi ? Il y a les vidéos qui sont mises à disposition. Est-ce que tu organises un appel ou un live pour la communauté ? Tu peux nous... Alors, il y a un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook, oui. Donc, Easy Detox a lieu à des dates précises et est disponible tout le restant de l'année en version solo. Ça veut dire, quand ils achètent le programme, les personnes ont accès à toutes les informations pour faire leur détox, mais ils n'ont pas ce coaching journalier que je propose pendant les formules de groupe. Donc, il y a un groupe Facebook, tout le monde vient dans ce groupe et dans ce groupe, il y a aussi un post tous les jours sur les choses de la journée. Donc, on pourrait presque suivre le programme en étant que sur le groupe Facebook. Mmh. Et ce qui est génial, c'est que les gens partagent, ils prennent des photos de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils mangent, de comment ils se sentent. Mmh. Et dès lors où il y a beaucoup de questions similaires, quand je sens qu'il y a des questions qui ont besoin d'une réponse un peu plus longue que 2-3 phrases, je vais répondre par écrit à toutes les questions. Et souvent, je fais des lives. Donc, je viens directement, je préviens, je dis, voilà, on va faire un live demain sur tel ou tel sujet. Mmh. D'ailleurs, j'ai fait des lives sur le nettoyage du foie parce qu'il est arrivé plusieurs fois où les gens avaient plein de questions en disant, voilà, Amy, tu l'as vécu, est-ce que tu peux nous accompagner un petit peu, nous expliquer ceci, cela. Et donc là, je fais des lives sur des grands sujets, les sujets sur la santé intestinale, ou même comment faire des jus pour qu'ils soient bons et pour qu'on continue à avoir envie d'en boire. Enfin, voilà, les questions qui surviennent. Donc, c'est pour ça aussi que chaque édition est différente. Les gens vont venir avec des questions qui leur sont propres. Tu t'adaptes au groupe et à la dynamique du groupe qui est là chaque année et qui diffère, du coup, par ça. Même si tu disais que, effectivement, il y a des gens qui ont l'habitude de revenir, des anciens qui sont là tous les ans. Oui, il y a beaucoup d'anciens. Près de la moitié des gens qui viennent sont des gens qui l'ont déjà suivi. Donc, c'est génial. Voilà. Je me dis, c'est une bonne publicité, ils reviennent. Clair. Et ils ne reviennent pas pour les recettes, ils les connaissent. Je ne change pas les recettes à chaque fois. Je l'ai fait pendant quelques années. Maintenant, les informations de base sont les mêmes. Mais les gens reviennent quand même. Pourquoi ? Mais pour cet échange sur Facebook. Parce qu'ils sont inspirés, ils sont stimulés par le fait que d'autres personnes sont là et partagent leur expérience. Quand tu es dans la même dynamique que plusieurs dizaines de personnes qui sont réunies pour un objectif commun, qu'on fait ça en même temps, tous les jours, on a accès aux mêmes ressources, il y a tout d'un coup, évidemment, il y a une énergie, c'est très, très stimulant, ça, c'est clair. OK. Il y a une personne qui demandait, alors c'est qui ? C'est Dominique. Est-ce que c'est envisageable pour les personnes ayant un intestin irritable, par exemple ? Alors, il faudra bien, ça peut beaucoup aider pour l'intestin irritable. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est le genre de questions qui seront posées pendant le groupe. Que faire si on a un intestin irritable? Ça va être difficile de manger des crudités parce que l'intestin ne supporte pas les crudités. Par contre, les jus sont très indiqués parce que les jus n'ont pas de fibres. Donc, il faudra éviter des choses trop fibreuses. Et là, je recommanderais la formule Easy. On va cuire plutôt les légumes à la vapeur. On va cuire un petit peu de riz, un peu de quinoa pour pouvoir trouver des calories là. Éviter les fruits. Parce que les fruits vont irriter aussi. Certains fruits qui sont trop sucrés vont exacerber la situation du côlon irritable. Il faut y aller doucement, tranquillement, en se sentant. Et je pense que travailler sur les émotions va être très, très important. Travailler sur son stress va être très important parce que le côlon irritable, je veux dire, les intestins, c'est très lié aux émotions. Le stress aussi. On va parler de produits lactofermentés qui peuvent beaucoup aider un intestin abîmé. Et toutes ces autres astuces qui peuvent accompagner les personnes qui ont ces fragilités-là. Ouais. Et qui peuvent être du coup consommées pendant la détox pour que les personnes ressentent les bénéfices de tout ça. Donc, c'est ça. Il y a toujours une expérience très intéressante. Une fois, j'animais une de ces retraites et puis moi, je m'étais fixée une semaine de jus.
Et au bout du troisième, mais je m'écoute quand même, mais de temps en temps, bah, j'essaie quand même de me tenir et d'être un peu la guerrière. Et au quatrième jour de jus, jour de jus, tout se passait très bien, mais j'avais une fringale, une envie irrésistible, mais pas pour un morceau de chocolat, pas pour un morceau de pain. J'avais envie d'une salade avec des légumes lacto-fermentés. Ah. Et au bout de deux jours de cette obsession, je me suis dit, non mais attends, Émile, tu es en train d'être rigide avec toi-même, ce n'est pas du tout l'exemple que tu montres. Et j'en parlais dans le groupe et ça a fait tilt. J'ai pris les ingrédients d'une salade, je les ai mis dans un jus. En fait, c'est mon corps qui demandait les probiotiques des produits lacto-fermentés. Donc, j'ai mis mon chou lacto-fermenté, ma laitue et j'en ai fait un jus. J'ai bu ce jus et ah, génial, c'était ça qu'il me fallait. Ah, super intéressant. Ok, génial. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que moi, j'adore la choucroute crue, notamment. Et on peut trouver du jus de choucroute en magasin bio, ça se trouve. Alors, quand je bois ça, tout le monde se moque de moi. Hein. Mais moi, j'adore. Je trouve ça tellement bon. Je ne comprends pas. Moi, j'adore aussi. C'est devenu. En fait, c'est un signe que notre corps, il reconnaît. Il a compris. Il a compris que c'était important pour sa santé. Donc, moi, c'est pareil. Quand j'ai pas de produits lacto-fermentés pendant quelques jours, ça me manque. Ce goût acidulé, légèrement aigre, cette aigreur, c'est un goût qui est important sur le palais et puis qu'on n'a pas vraiment dans notre alimentation moderne. Alors, moi, j'ai la chance, je suis en Estonie actuellement et en Estonie, toute l'année, il y a de la choucroute crue, tout le temps. Il n'y a même pas une période. En France, il y a une période où on trouve difficilement la choucroute crue entre disons, avril et septembre, octobre. Je crois que c'est un peu plus compliqué à trouver. Bah là, c'est toute l'année. Donc, je suis très content. Voilà. Eh bien, tant mieux. En Suisse, on trouve de la choucroute crue. C'est marqué choucroute crue sur les sachets toute l'année. Tu retournes le sachet, c'est marqué pasteurisé. Donc, c'est plus cru. Hein. Ah oui, effectivement. Oui. Bah, c'est comme manger des yaourts pasteurisés pour avoir les probiotiques. Ils ne sont plus dedans, hein, les probiotiques. Oui, ouais, ok, d'accord, intéressant. Bon, c'est pile et face. Bon, ok. En tout cas, donc, voilà, il y a cette détox qui commence le samedi 6 avril. Vous avez une réduction de 10 francs suisses, c'est à peu près 10 euros du coup, sur le prix du programme en rentrant le code détox. Cette détox va durer 3 semaines. Et sinon, ben, l'été aussi, tu fais des détox, donc en immersion cette fois, hein, c'est ça? Alors oui, c'est vrai que cette année, alors ça fait depuis 2017, donc ça va faire bientôt 7 ans, que je donne j'anime des retraites en présentiel dans mon chalet de famille, donc des petits groupes. Et pendant le Covid, en 2020, j'en ai donné 6. Il y a eu 2 demandes privées pour des retraites. Les gens étaient assez désespérés, ne pouvaient pas vraiment quitter le pays, ils voulaient se faire du bien. Donc, ça a très, très bien marché en 2021 aussi, en 2022. Et là, j'en donne un petit peu moins souvent et je me suis concentrée sur l'été parce que c'est vrai que l'été à la montagne, c'est quelque chose de magnifique. J'en ai eu fait pendant l'hiver. On allait faire des raquettes dans la neige, manger des soupes le soir. C'était super aussi. Oui, alors en présentiel, c'est bien parce que c'est… Il y a des personnes qui ont plus de difficultés à instaurer des changements chez elles. Et je pense que de faire une semaine en présentiel chez quelqu'un où on participe à la préparation des repas et à toutes les autres activités qui accompagnent une détox, là, ça devient beaucoup plus inspirant. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre non plus de partir une semaine. Mais évidemment, les coûts sont différents aussi. Mais voilà, j'ai appelé ça immersion détox. C'est une manière de dire, je vous invite à vous immerger, voilà. En anglais, c'est immerse. De vous immerger dans un style de vie extrêmement sain pendant une semaine, parce que là, vous verrez les bénéfices. Là, c'est marquant. Alors, j'ai pas précisé, mais tu es américaine d'origine, mais ça s'entend tellement pas que, enfin, t'as même un léger accent suisse, enfin suisse plutôt, oui, tout à fait. Non, mais j'ai aucun mérite. Je suis née en France de parents américains. Ah oui. Donc j'ai tout de suite parlé français à l'école, à la petite école. D'accord. J'ai zéro mérite. D'accord. Donc, je suis bilingue, ça, oui, c'est vrai, mais… D'accord. Ok. J'avais oublié que tu avais passé ton enfance en France aussi. D'accord. Ok. Donc, là, en tout cas, tu as rajouté le petit accent suisse en plus et c'est très, très sympa. Alors, donc, il y a cette détox. Et puis, tu l'as dit, effectivement, je ne suis pas un spécialiste des détox comme ça alimentaires, même si je l'ai vécu moi-même dans mon processus d'apprentissage, notamment à l'Institut Hippocrate en 2013. Et j'ai répété, j'y suis retourné plusieurs fois. Mais ce n'est pas quelque chose que moi, j'enseigne, même si j'enseigne
j'additionne aussi des choses par rapport à l'alimentation. Et par contre, je fais quelque chose de complémentaire qui s'appelle le nettoyage du foie et que j'aime, que j'adore partager. J'en ai refait un récemment pour moi parce que de temps en temps, je sens là, il faut le faire. Là, c'est parti. Et à chaque fois, je me sens hyper bien après. Et donc, si ça vous intéresse, le nettoyage du foie, je vous mets le lien dans les commentaires pour vous inscrire à la conférence en ligne que je propose sur le sujet pour vous expliquer ce que c'est que ce processus bizarre, mais qui donne tellement de bénéfices et qui a donné tant de résultats auprès des personnes que j'accompagnais depuis un petit moment aussi. Ça fait 8 ans, je crois, maintenant. Donc, le temps passe et, et c'est très, très chouette. Voilà, le temps passe. OK. Oui, mais je dirais volontiers quelques mots là-dessus. Oui, ouais, je veux bien, ouais. Mm-hmm. Puisque je connais bien ton programme. Et d'ailleurs, c'était quand on s'est rencontrés, on était tous les deux conférenciers d'un sommet en ligne. Je ne me rappelle plus le nom de cette... Je me souviens même plus, je me souviens même plus comment c'était rencontré, en fait. C'était par là, et j'ai oublié le nom de ce sommet. Mais ce que je sais, c'est que le jour où ma conférence allait être diffusée, je regardais les conférenciers d'avant, ceux d'après, puis juste après, c'était toi. Et je t'ai écouté, donc j'ai écouté ta conférence, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça faisait un moment, parce que c'est intéressant de dire, j'ai découvert l'alimentation crue, ça a commencé par une détox, j'ai commencé à animer des détox, mais je n'ai pas tout de suite pratiqué toutes les pratiques de pleine santé. Et par exemple, ça m'a mis quelques années avant d'aller faire des irrigations du côlon, avant d'apprendre à faire moi-même des lavements, ce que je fais maintenant régulièrement quand j'en ressens le besoin. Et puis, le nettoyage du foie, c'était quelque chose qui m'intriguait depuis pas mal de temps. J'avais lu les livres de Andreas Moritz. Et en t'écoutant, je me suis inscrite. J'ai fait le nettoyage du foie. J'ai dû le faire 7 fois depuis. La première fois, ça devait être en 2017, 2018, 2019. Et là, cette année, je compte le faire à la suite de ma détox. Parce que je trouve que c'est vraiment parfait. Quand on a bien nettoyé le corps avec une détox, le corps, il est prêt. Il est prêt pour un nettoyage du foie. C'est vrai que c'est une bonne, je pense, c'est vraiment hyper complémentaire. Et puis, de toute façon, je dirais, dans le processus de nettoyage du foie, il y a entre 5 et 7 jours, disons, de préparation où, de toute façon, on veut alléger l'alimentation. Alors, je dis pas qu'il faut forcément aller aussi loin que la détox que tu proposes, toi, qui est plus profonde et avec une vraie belle descente, etc. Mais n'empêche que j'invite à cet allègement de l'alimentation avant, qui est très bénéfique, juste avant de faire le nettoyage du foie. Donc, évidemment, si on a fait ton premier détox juste avant, c'est pompon, quoi. C'est génial. Donc, c'est parfait. Ouais, c'est parfait, exactement. Et ça se complète vraiment bien parce que la détox va, comme on disait avant, va remettre des choses en circulation, va débloquer des choses. Et là, le nettoyage du foie, il va aller beaucoup plus loin. C'est ça, ça va finaliser en beauté les choses. Okay. À la fin, on est tout jeune, on est tout refait, nos organes sont neufs. C'est ça. Ouais, moi la sensation que j'ai à chaque fois après un nettoyage du foie, c'est l'impression de flotter un peu au-dessus du sol, d'être tout guiré, disons. Aérien. Exactement. Okay. Ouais, cette légèreté qu'on recherche d'ailleurs. Que je trouve vraiment, c'est vraiment un délice de ressenti physique d'un corps qui fonctionne bien et qui est super. Exactement. C'est juste tout simplement ça. Naturellement, la sensation qu'on doit avoir, je pense. Mais oui, ça devrait être l'état naturel pour pouvoir vivre notre vie, faire tout ce qu'on a envie de faire, avoir les moyens de le faire et pas être ralenti par des problèmes physiques, des problèmes de maladie. Non, c'est triste de se rendre compte qu'on nous a offert la vie et qu'on n'est pas toujours là à l'entretenir, cette vie. Ce vivant. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une célébration du vivant, finalement, et honorer ce véhicule qu'on a, ce corps, qui nécessite un minimum d'entretien, un minimum de considération. Et je pense qu'effectivement, ces détox, ces pratiques alimentaires que tu proposes, et après, éventuellement, aussi une touche du foie, etc., ce sont des choses qui permettent vraiment de dire j'ai ce corps et je l'honore avec cet entretien que je lui propose. Et c'est pas de la punition, c'est pas de la contrainte, c'est comme avec une voiture, quoi. On veut qu'elle tienne longtemps, on va s'en occuper, on va pas faire n'importe quoi avec, et puis elle va rouler super longtemps et on sera super content d'avoir une voiture qui dure longtemps. C'est à peu près la même chose qui se passe avec notre corps. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup. J'ai envie de rajouter juste encore une chose. Tu utilises beaucoup cette expression, c'est reprendre sa santé en main. Absolument, c'est ça. Parce que finalement, avec l'industrie agroalimentaire, avec le rythme effréné de nos sociétés, avec la digitalisation de tout, on est toujours sur des écrans, etc. On a une vie qui est très stressante et qui nous éloigne beaucoup de nos besoins primaires, des besoins de notre corps, qui sont le repos, qui sont la légèreté, qui sont la conscience, de faire les choses avec conscience. Et je pense que cette reprise de notre santé en main, c'est-à-dire de vous sentir responsable de votre propre santé,
ce sont ces pratiques-là qui nous permettent de le faire. Absolument, oui, c'est ça. Et en plus, ce que je trouve beau avec ça, c'est qu'on voit les résultats, j'ai envie de dire, quasiment tout de suite. Donc, c'est pas quelque chose de conceptuel, d'intellectuel, c'est je passe à la pratique, j'observe des résultats, je deviens l'expérimentateur de ma propre expérience sur mon corps et j'en ressens tout de suite les bénéfices, j'ai envie de dire, c'est magique, quoi. Enfin, il n'y en est pas juste quelqu'un qui dépend du bon vouloir d'une industrie et qui est la pauvre victime d'un système. Ben non, là, justement, on peut véritablement reprendre le pouvoir sur sa santé et c'est pas si compliqué que ça, en plus. Voilà. Et en plus, on est là pour vous accompagner. C'est pas si compliqué. Voilà. OK, bah, je remets le lien donc, pour s'inscrire en tout cas à ta détox. Donc, bit.ly/detoxamy avec un D majuscule et un A majuscule. Et je regarde s'il y a peut-être des... Voilà, non, il n'y a pas de dernière question peut-être. Non, bah, c'est bon. Et bah, écoute, merci beaucoup, Amy. Et puis, bonne détox. Merci à toi, Jérémy, de m'avoir reçu. J'espère que toutes ces informations pourront inspirer les personnes à faire le pas. Voilà, merci. Merci, bonne soirée et à très bientôt. Et bonne détox à tous. Au revoir. Ciao.